Et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Radio WoW. Et oui, comme vous pouvez le constater, hein, j'ai mis en exécution ce que j'avais dit dans le dernier épisode. On va se créer un chasseur de démons. Alors, le voici. J'hésite entre un chasseur de démons et une chasseuse de démons. Mais je vais prendre un chasseur de démons et je vais l'appeler Dracula, tout simplement parce qu'on va débloquer le titre Comte. Et ce sera le comte Dracula. Et je trouve que c'est stylé. En vrai, bon, l'idée ne vient pas forcément que de moi. Il y a Nightly qui a créé un nouveau personnage qui s'appelle Espoir. Et elle va mettre de l'Alliance. Donc ce sera trop stylé, je trouve, l'Espoir de l'Alliance. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc un peu du même genre, vu que ben, j'hésitais à faire un chasseur de démons. Donc je me suis dit que j'allais trouver un pseudo. Et je vous dis franchement, homme comme femme, je m'en foutais. Mais comtesse, ça rendait pas trop bien. Alors que là, Comte Dracula, je trouve que c'est ultra stylé. J'ai déjà créé le perso comme ça, ben vous voyez, vous perdez pas de temps. En avant, let's go! Ah, Dracula, il est beau. Il est beau. Donc, pourquoi j'ai fait un chasseur de démons? Bon, je vous en parlais après la cinématique d'intro, je vais vous laisser apprécier quand même. Parce que c'est pas cool, sinon, de ne pas le faire. Ah, il faut que je fasse un truc aussi, tant que j'y pense. Zilidari, mes précieux chasseurs de démons, tandis que des milliers de mondes sont en proie aux flammes de la Légion, vous avez répondu à mon appel. Mais ces mortels, dans leur ignorance, veulent détruire leur toute dernière chance de salut. Nous avons très peu de temps. Je vais faire tout ce qu'il faut pour repousser ces envahisseurs. Vous allez vous rendre à Mardoum et tâcher de mettre la main sur la clé Sargeritte. Partez! Mais n'oubliez pas, si jamais vous échouez, aucun monde ne sera épargné. Il faut que je baisse le son du jeu! Parce que on m'a dit que ma voix était des fois un peu trop basse. Donc, on va modifier ça tout de suite. Audio. Donc, on est à 6%. On n'est pas très très haut, je sais, hein, mais c'est pas assez. Enfin, trop, je veux dire. Donc, on va mettre à 5. 5%. Ok. Ensuite, je voudrais faire mode édition. Donc, je vais prendre celle de Succube. Voilà. Celle de Succube me paraît bien. Excellent. Attends, mais... Option, barre d'action. Ah, voilà. J'ai dit, attends, il y a un problème dans cette histoire. Mais non, c'est bon. Ok, on est parti. C'est au cœur de mon plan pour vaincre la Légion Ardente. C'est aussi votre seul moyen de revenir. Yes. Regagner le temple noir. Donc là on va avoir une suite de quêtes à faire obligatoires avec comment ça s'appelle, les DK, enfin les DH pardon. Je dis DK parce que oui, c'est vrai que bon, je me mélange un peu. Mais faut savoir que les chasseurs de démons, c'est la deuxième classe comment ça s'appelle, héroïque, que Blizzard avait mis en place. Il n'y en a que deux, hein, qui existent, c'est-à-dire Chasseur de démons et DK. Hein, et j'aime beaucoup. Option, commande. Non. Où est la fouille auto? Fouille automatique. Et après, c'était quoi? Non. Audio. Ce sont des émotes. Message vocaux d'erreur, non. Musique en boucle, ok. Normalement on est bon. C'était juste la fouille auto qui n'était pas dispo. Impec. Voilà. Bon, j'ai pris chasseur de démons, pourquoi? Parce qu'en fait, j'en avais marre de ramer du fion en fait, hein, d'être très lent. Et comme j'ai envie de farmer, j'ai envie de faire beaucoup de trucs, ben en avant, hein. Tout simplement, hein. C'est la meilleure classe pour rush, pour aller vite, pour faire plein de trucs en même temps.
Alors, je suis pas un grand fan du Rush, hein, parce que bon, vous le savez, hein, j'ai déjà d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait le sondage dont j'avais parlé sur Discord pour savoir ce que les gens en pensaient des donjons où tout est rushé. Et ben, faut voir que du coup, en fait, la majorité, elle est en mode je m'en fous. Voilà. J'ai mis ouais, ça me fait chier, j'ai pas le temps de combattre et de voir le donjon. Ensuite j'ai mis bon c'est chiant mais bon c'est pas grave ça va assez vite. J'ai mis Osef. En fait j'ai fait un peu tout, j'ai fait très pas content, moyen content, sans plus, content et très content. J'ai mis plusieurs options. Et la majorité c'est Osef. Osef. En fait Osef. Mais personne a mis c'est cool. Vous voyez c'est Osef voire c'est chiant. Il y en a qui ont mis c'est chiant, mais personne a mis c'est cool. Donc quand même là, ce qui en ressort c'est que ben c'est bof, pas cool. Voilà, c'est ça en fait qui en ressort. Au début je savais pas si c'était que moi en fait hein, qui était comme ça, mais apparemment non. Mais bon j'ai bien fait de demander hein, parce que des fois on sait pas trop. Et ben, il se trouve que c'est tranquille en fait, les gens s'en fichent plutôt pas mal. Bon par contre on va pas. Hein... Jace, tout ça c'est pas très intéressant. Et voué à la destruction de la Légion Ardente. Ceux qui veulent comment ça s'appelle découvrir l'histoire des chasseurs de démons, bah, je vous invite à en créer hein, hein. C'est vraiment très cool, sans déconner. C'est vraiment génial comme histoire. On en apprend beaucoup avec Illidan, créateur des tout simplement des chasseurs de démons. Hein. De nombreuses âmes ont été sacrifiées. Blablabla. Bla, bla, bla. Adieu. Voilà. Ah non, il s'est pas sacrifié. Du seigneur Illidan. Acceptez le don d'Illidan. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fait un bon truc. Nous vous aiderons à établir un avant-poste sur le volcan. Cendre langue, en avant. Ah c'est ça. Hop. Un grand gros sabre. Yay. Amma. Donc ça c'est bon, ça a été fait. Donc là en gros il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que courir un petit peu partout pour... Par contre du coup j'ai accès à mes montures. Alors vu qu'on va faire Dracula, est-ce qu'on a une monture qui pourrait être un petit peu dans ces... Bon, ça, hein. Carrément. Hein. Tous les jours en fait. Cauchemar lucide, cheval ténébreux. Alors évidemment, il faudrait l'autre, le cheval de sang, mais je l'ai pas. Donc grip. Hein. Mais ouais, ça... cette monture. Ça me semble être très bien pour le comte Dracula. Se balader sur un cheval démoniaque. C'est extrêmement nerveux, encore une fois, le gameplay de chasseur de démons. Ça cogne très fort. On va le mettre full maîtrise. La maîtrise augmente les dégâts d'ombre qu'on fait et aussi la vitesse de déplacement. Donc on essaiera de bourrer tout ça, hein, évidemment. Petit trésor. Ça me l'a pas affiché. Merde. Attendez, excusez-moi. Je vais couper le son de mon téléphone. Ouais. 22h30, je reçois des SMS. Tout va bien. Laissez-moi tranquille, putain. Non, c'est pas méchant en soi, mais bon, voilà quoi. Chaque fois que j'essaie de tourner un petit peu, il y a toujours des gens. Mais attends, mais on est toujours considéré en combat? Ça a même le fait de planer, qu'est-ce que c'est cool. Le seigneur de bataille m'envoie. Enchanté, monsieur. J'espère que le son, ça sera mieux. Là, il y a d'autres chasseurs de démons. Bon, il y a beaucoup de gens qui pexent. Hein. Il n'y a plus le bonus... comment ça s'appelle, d'XP, on a plus les 50% de bonus.
Mais c'est pas grave. Mais oui. Alors j'ai pas mis le stuff héritage parce que cette fois-ci ce qu'on va faire c'est vraiment faire beaucoup de donjons. Et surtout, enfin pas les donjons, non c'est faux, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. C'est surtout on va faire tous les rares si possible. On va essayer de clean tous les rares avec entre guillemets l'astuce qui fait que quand tu choisis une ligne temporelle, tu peux te retrouver avec quasiment tout de disponible parce que les gens ne sont pas... Ça c'est attaqué. Ah, il faut les. Les gens ne sont pas dans ces timelines précises, donc on est pépère quoi. Et quasiment tout à pop. Comme on avait fait avec Succube en gros, sauf que cette fois-ci on n'ira pas chercher les bonbons. Et enfin sauf si on les croise sur le chemin, mais et tant que j'y pense d'ailleurs. Il faut savoir que je suis sur un autre serveur, j'ai changé de serveur. J'ai pris un autre serveur tout simplement parce que dans celui-ci, celui que j'ai pris, c'est là où il y a le plus de trucs d'achever de manière équilibrée. HV Hôtel des Ventes, hein, pardon. Et du coup ça va être sympa pour pouvoir farmer du pognon. Une des raisons pour lesquelles aussi j'ai pris Chasseur de Démons, évidemment. Évidemment, évidemment. Ça aussi ça aide. Qu'est-ce que c'est que ça? Tourment, provoque la cible et force. Oui, bon, ça. C'est pas qu'on s'en fout, mais. Un petit peu. En vrai, c'est sympa, mais. Pff, ça, ça va foutre. Ça va partir par là. Ça va pas être un truc que je vais utiliser. C'est bien en tank. Je compte pas jouer tank. Mais alors, genre, vraiment pas. Dépêchez-vous, le temps vous est compté. Je ne dois pas. Merci pour ton sacrifice, Mystique. Allez, à moi les troupes. Donc là, ce qu'on fait, donc, c'est qu'on sacrifie des gens pour ouvrir des portails. Et de ces portails sortent tous nos alliés. Et avec ça, bah, on part à la guerre et on défonce tout le monde. En gros, voilà ce qui se passe au niveau de l'histoire des... Comment ça s'appelle? Des Illidari, enfin des chasseurs de démons. Inquisiteur Perdicius. Viens ici, descends. L'infernal colossal va te réduire en charpie. Bah non. Toujours pas. Toujours pas. En même temps, il est un peu lent, ton... Désolé, hein, mais... Ah, effectivement, ça a l'air de faire mal. Bon, je pense qu'au niveau son, on est beaucoup mieux. Je testerai, enfin, je vérifierai à la fin de cette vidéo. Bon, malheureusement, ça arrive après 20 heures de vidéo, mais... Mais bon. Mieux vaut tard que jamais, hein. Vaut tard que jamais, carrément. Uais. Hey, donnez-moi de l'XP là. Non mais. Du loot de merde aussi. Bon après ils nous donnent des sacs qui sont pas trop dégueulasses. Ça c'est bien. Vous avez vu, c'est des beaux sacs. C'est des sacs 20 emplacements. C'est sympa. En vrai c'est cool. Ils auraient pu nous mettre des trucs beaucoup plus petits. Mais ça va, c'est pas le cas. Je sens un grand pouvoir en vous. Auriez-vous dérobé l'essence d'un démon? Exactement. Ne cédez pas face à la puissance de la Légion. Allez, donne-moi tout là. Mort à la Légion. Servez-vous du projet pour accomplir le rituel. Rituel terminé. Des chasseurs de démons, ce sont un... Nani, des chasseurs de démons. Effectivement. Pétez la gueule. Affichez vos spécialisations de combat. Vengeance. Raté. Je vous retrouverai dans le volcan. Dévastation. Je me suis planté. On fait du dégât. Donc, alors, il y a dégradation d'essence, destin brisé,
tous les moyens sont bons, il y a vraiment des trucs trop trop cool. Donc là on a qu'un seul point de toute façon, donc j'ai envie de dire voilà quoi. Hein. On est obligé de partir par là, vraiment? Tu peux plus les effets de ralentissement. 7 points de dégâts. Un truc de plus. Ouais, on va faire ça. Hein. On va prendre le truc de base. Hein. Donc faut tuer Béliash et faire un sacrifice. Très bien. Bon, au début, il n'y a pas 50 000 trucs de gameplay à voir. De toute façon, c'est plutôt simple. Alors j'ai dit qu'on faisait pas les héritages, mais il faudrait qu'on regarde qu'est-ce qu'on a comme héritage en vrai. Je viens à votre aide. Collection. On fout ça. Collection, héritage. Si ces flèches vous causent des problèmes, débarrassez-vous des stabilisateurs. Il y a des beaux trucs quand même. On a du quoi? Du 49, du 49, du 49. Mais on a touché qu'à 49. Allez, go, allez. Ça me fera du pognon. Et deux griffes. Ce qu'il faut là. Bon, ça c'est mieux techniquement, mais. C'est Osef. On va mettre ça. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai pas fait les épaules. Ok, je pense. On va faire les deux mains. En fait, on sait que jusqu'au niveau 40. Qu'est-ce qui me tabasse et qui me fait chier? Jusqu'au niveau 49, on n'aura pas à changer notre stuff. Du moins pour toutes ces parties-là. Ah, j'avais même le. Bijou PVP. Marrant. Trop marrant. Ça c'est des colliers, hein. Ça c'est bijoux, ouais. Collier 44. Ah là là. Ok. Et en anneau, endurance, critique, maîtrise. Ouais, pourquoi pas. Hein. Faut en faire deux, de toute façon, je crois. Hein. Unique équipé, ouais, il me semble que c'est unique. Enfin, on peut pas. Effectivement. Eh ben d'accord. Vendu. Béliash, occupe-toi de les centailles, honore leurs allégeances. Personne n'approche de cette flèche. Mais tout à fait. Dash dans tous les sens, ça veut dire. Ouais, comme ça on a le bonus héritage, ce qui nous permet du coup d'augmenter l'XP avec le repos et tout ça. Bon, au début j'étais pas trop pour, mais. Vous devez me sacrifier? Allez. Si on ne se revoit pas d'ici. Je vous souhaite une belle mort. Vous devez me sacrifier, j'ai pris ma décision, sacrifiez-moi. Votre sacrifice ne sera pas vain. Oh mais c'est bon, comme ça il meurt pas lui. Et moi je ressuscite. Trop bien. Ah si, ça y est. Gain de vent de la sagesse. Ça y est encore. Mais au moins l'autre il est pas mort. De me rapporter la clé. Oui, Yilinchu. T'inquiète. Mais je pensais qu'il y avait plus les trucs du vent de changement, mais d'XP, mais si, ça y est toujours. C'est cool. Donc maintenant faut que j'aille par là-bas.
contre la carte, voilà. J'aime pas l'avoir, avoir la carte en petit. Je trouve ça super chiant. Ancel, la Légion ne plaisante pas. Ces dévastateurs sont à nos trousses. On s'en est sorti de justesse. Enfin, pour la plupart. On nous combat. Ouais, ça me touchait pas, hein. J'étais pas dans là-haut, hein, monsieur le juge. Hein. En plus, ce qui est bien avec l'héritage, c'est qu'on va pouvoir. Comment ça s'appelle avoir les. La transmo qui va nous suivre longtemps. On a combien d'argent? 1 PO 88, donc ça veut dire qu'on peut déjà faire notre transmo, je pense. Vous avez réussi. Ça, c'est cool. Ce démon tombera. Architropa! Allez! Le seigneur Illidan est notre guide. Si on ne se revoit pas d'ici là, la forteresse arachnéenne, le moteur d'âme et la forge sont leurs cibles principales. Du coup, monture. Yak. On va mettre le yak comme d'habitude. Ici pour pouvoir voilà, vendre, acheter, enfin tous les trucs classiques hein, de toute façon. Oh bah, Osef, ça. Hein. Là! Juste derrière, on fait transmo. Est-ce que j'ai des ensembles? Oh, d'accord. Prendre la dope. Est-ce que j'ai un truc qui fait Dracula? Oh non, ça, ça fait pas. Ça fait dégueulasse. Ça fait cuir, 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 moustache. J'ai pas tant de transmo. Putain, mais j'ai pas beaucoup de transmo en cuir. Marrant ça. Ah, mais j'ai vraiment pas beaucoup de transmo. Ah, mais non! Mais parce que oui! Au début. C'est vrai que. Au début. On a quasiment pas de transmo par rapport à notre level en fait. Waouh, la taille des haches quoi. Théma la taille de la hache. Il faut un certain level pour transmo des objets. Et tant qu'on n'a pas le level en question, ben on n'a pas la transmo adéquate quoi. Ok. Est-ce qu'on n'a pas un petit truc doré? Il y a des belles haches hein. Une belle transmo quand même. Et pas une main. Qu'est-ce que c'est? Le truc en bois, tu sais, presque. Il y a vraiment des trucs bof quoi. Épée bénie cherche-vent. Ouais, ouais. Allez, on va prendre ça. En glaive de guerre, on a des trucs trop chiants. Donc, je vais prendre épée une main. Épée bénie cherche-vent. Parce qu'on a des auras un peu voilà jaunes. Histoire de coller un peu plus avec notre la transmo qu'on a. 40 balles. On va laisser classique. 10 PO. Putain, mais comment ça se fait que ça coûte aussi cher? C'est juste parce que c'est les. Je sais pas ce qui fait que ça me coûte aussi cher, mais. Bon, pourquoi je les ai prises? Parce que voilà, du coup, dans le dos, vous avez vu? C'est trop stylé. Ah, il est beau, hein, putain! Il est beau, notre chasseur de démons là. Ouais, il a des sacrés cure-dents, mais. Vous tuer en un clin d'œil. Non, tu la fermes. Ce sera fait. Mais je vous exhorte à ne pas oublier que le temple noir est assiégé. Oui, oui, oui. Comment dire, attends. Une tâche digne d'église en taille. C'est entendu. Donc ça c'est les transmos d'une arme légendaire hein, que j'avais débloqué avec le DK. De toute façon j'ai quasiment toutes les armes légendaires du jeu. Je dis bien, je dis quasiment parce qu'il me manque le bâton de Tarek Goza et les crocs du père. Mais ça faut être voleur pour les débloquer. Et Tarek Goza faut être un caster. Oui, mieux vaut nous en assurer. Ah ça c'est fort ça. Ça en vrai je fous trop par là. Je sais pas trop encore où je vais mettre mes sorts et tout hein. On va voir petit à petit. Bonjour. Allez. Qu'est-ce qui se
s'appelle nettoyer. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Pouvez-vous diriger votre vision spectrale vers l'entrée de la grotte? Ouais. Donne-moi la vision spectrale déjà. Le seigneur Illidan. Je l'ai là? Ah, il est là. Alors, vision spectrale, c'est très utile en vrai. C'est très très utile parce que ça permet de voir des fufus ou des gens planqués dans certains endroits et tout, donc très cool. Ils ne nous échapperont pas. Illidari, à l'attaque! Hop. Oh. Des petits coffres au trésor. Des trésors de chocolat. Tu continues à parler alors que t'étais mort, hein. Je veux pas dire, mais. Loin de moi l'idée de faire chier, hein. Mais bon, t'étais quand même mort, quoi, quand t'as parlé. Le gangre seigneur est juste là. Dame Steno m'a demandé de me joindre à vous. Ah. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Évidemment. Je viens à votre aide. Alors t'es deg? Non, toi rien décimé. Rien du tout. Et joli petit truc, hein. Exactement. Je sais qu'on peut débloquer aussi la transmo des glaives d'Illidan, les vrais glaives que j'ai déjà, avec encore une fois le DK. Mais pour ça, il faut faire l'ancien, enfin le raid. Marcheur du temps avec le DH pour débloquer le droit d'avoir l'apparence. Un peu bizarre, mais pourquoi pas. Pouvons-nous les vaincre? Faites confiance. Mais oui, on va les vaincre. Elle était en train de faire la destruction sur le pont. Donc maximum de fureur, ouais, je prends. Alors évidemment, il y a deux trucs différents. J'active le vache, je peux pas. Ça peut être en hurlement. Il y a... comment ça s'appelle les sorts PVP et les sorts PVE, hein. Je vais surtout me concentrer, je pense, moi, sur du PVE dans un premier temps, et après, évidemment, faire du PVP. Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus au tout début. Ah, on a débloqué la danse des lames. Très très cool, la danse des lames. Alors qu'un rare se pointe à l'horizon. En haut, apparemment. Eh ben non. Alors oui, mais pas grâce à vous. Enfin, plus ou moins quoi. Faites le tour de la forteresse pour trouver les autres. Mais non, t'es pas désolé. Tu es venu récupérer ton petit Draenei. Tu disais quoi par rapport à mon Draenei? Avec ce que t'es en train de prendre dans la bouche là, à ta place, je ferai pas trop la maline. Voilà. Allez, so long. Oh mais les AOE hein, de chasseurs de démons, c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose. Hein? Qu'est-ce qu'elle bave? Qu'est-ce qu'elle raconte? Devastateur. Ah, il y a ça à péter.
Dévastateur de la forteresse funeste. Destroyed. Hein? Je peux savoir ce que j'ai pris là? C'est quoi qui m'a bousculé? What? Je... Hein? Quoi? On va faire genre c'était normal hein. Ça c'est des gros boss mais ils ont pas de vie. Je vais vous corriger à coup de marteau. N'ayez pas peur, mère est là. Il va rien corriger du tout. Putain. Mon aide est requise ailleurs. Wouah. En fait, on a des meilleurs trucs que l'héritage, un truc de fou. Bonjour. Et vous foutez rien. Et toi, je vais te sauver vraiment, vraiment à temps. Hein. Voilà, on est bon. On a réussi. C'est quoi ça? Next candy bucket. Ouais non mais ouais non, tu vas commencer à m'emmerder avec tes buckets toi. Le seigneur Illidan est notre guide. La mère des diablotins est juste là. Ouais, on va s'en occuper de la mère des diablotins, t'inquiète, t'inquiète. Il y a des méchants par ici, ils disent. Personne ne touche à mon grimoire. Personne. M'en fous de toucher ton grimoire, je suis là pour péter la gueule. Eh ouais. Allez. Serviteur, récupérez ce grimoire à tout prix. Mais on l'a le grimoire là, nos stress. Putain, je suis beaucoup plus à l'aise avec un corps à corps hein. Je sais pas si ça se voit mais pouah, la différence. Bon, j'ai joué tellement de temps au corps à corps aussi. Alors après attention, je le répète mais comment s'appelle Succume n'est pas jeté hein. Encore une fois, c'est juste que là actuellement, j'ai envie de jouer chasseur de démons. Et du coup, bah, je joue chasseur de démons, tout simplement. Il ne faut pas oublier que World of Warcraft est un jeu, donc si vous avez envie de jouer une classe spécifique, allez-y, si vous avez envie de changer, bah, changez. Hein. On ne joue pas à... comment s'appelle à DK, World of DK, ou je ne sais quoi. Jouer au monde de World of Warcraft, hein, tout simplement, qui comprend bah, toutes les classes. Toutes les classes, toutes les spés, faites-vous plaisir avant tout. C'est un conseil que je répète depuis très souvent, mais ça reste un jeu. Donc si ça vous plaît pas, bah changez tout simplement. Moi je sais pas que ça me plaît pas, mais j'avais plus envie de jouer à un DH pour farmer et pour faire de l'argent et tout ça comme je vous ai dit. Et aussi par, par plaisir. Donc bah, du coup, bah, let's go. Let's go, let's go, tout simplement. Ok. On se fait les rares parce que j'aime bien faire tous les rares. On est où là? On est ici, ok. Attention. Un seigneur de l'effroi se cache dans le monde. Comte Néfastus. Hop là. Ma
du promomateur. Gagagagagaga. Mais je m'en fous d'ouvrir le puits, je vais le tuer simplement sans qu'il ait même le temps de faire quoi que ce soit. Donc, voilà, tiens. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faim insatiable. Ou alors, remplace morsure du démon tous les jours. Voilà, donc du coup, ça c'est un passif, c'est les lames automatiques. Le front gagné automatiquement, du coup, bah oui, c'est son nom. Tout ce bordel. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour me sortir un petit peu beaucoup de sorts qu'on a au niveau de la barre d'action. Et je préfère parce que je trouve qu'on génère après énormément de fureur. Donc pas besoin de se faire chier à comment dire, à avoir un sort à spammer. Après, c'est les goûts et les couleurs. Je me rappelle que j'avais fait ça, c'était soit ça, soit génère 5 à 10 points supplémentaires. Ouais, non. Je crois que je sais pas, on va voir, on va voir. Mais j'aimais bien ce truc là. J'aimais beaucoup personnellement. Parce qu'après on a un personnage qui tape très vite. Et en plus il y a des petits fragments qui vont tomber à droite à gauche. Nous sommes le dernier rempart contre la Légion et la fin du monde. J'ai tout sacrifié. Tout à fait. Quel que soit votre choix, ce sera un plaisir de retourner davantage de pouvoir de la Légion. Choisir entre dévastation et vengeance. Dévastation. J'ai tout sacrifié. Et vous, si on ne se renseignez-nous ce que vous avez. Ah, l'aura d'immolation. Attendez deux secondes, parce que je peux pas tout faire. Maîtrise augmente votre vitesse de déplacement. Yes. Tous les jours, c'est ce qu'on veut. Le seigneur Illidan est notre guide. Hop. Ma vie est je sens la hop. 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 Et vous. Énergie démoniaque. Je me sens plus puissant. Eh oui, tu vas exploser. Adieu. Tout ne cédez pas. On y va. Donc Laura, elle est très très cool aussi pour. Bonne chance à tous. Pour se protéger. Plus tard, on fera aussi d'autres trucs avec. L'enveloppé de flammes qui inflige 65 points de dégâts en 6 secondes et ça génère de la fureur. Donc, ce que je vous disais, on va générer pas mal de fureur, donc on sera plutôt tranquille. Alors j'ai pas regardé tous les sorts, j'ai regardé sur le compte à Nightly qui avait du coup sa chasseuse de démons pour voir un petit peu. Et ce qui est très très cool, c'est qu'ils ont foutu la traque. Elle est là. Beaucoup de sorts ont été gardés de congrès, de légendaires et tout ça, donc c'est vraiment sympa. Ils ont même mis le sort de congrégation des Kyrian en tant que tank justement. Donc c'est très très cool, j'ai beaucoup aimé ce choix qu'ils ont fait. J'ai tout sacrifié. Ça fait très plaisir. Je sécuriserai le portail vers le temple noir. Faites vite, Kane n'a déjà laissé l'offensive des mentirs. Bonjour. Nul ne te résiste. C'est ça, Gérard lui-même qui m'a confié cette clé. Je ne vous laisserai pas. En fait, je suis en train de voir que non, c'est pas bon du tout. De prendre... les attaques auto. Non, non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Ah non, carrément pas en fait. Carrément pas, je me suis planté. C'est pas du tout ça. Je me suis planté. Faut que je remette le sort. Là, je manque de fureur de dingue. Hein. Nul ne peut résister. Ah, bon, tu la fermes. Donc attendez. Morsure du démon inflige 50% de dégâts supplémentaires et génère 5 à 10 points de fureur. Ouais, ouais, c'est ça qu'il me faut. On va garder morsure du démon. C'est mon seul truc pour générer de la fureur de manière abusée. Ouais, voilà. Ok. Protection démoniaque. Les tatouages réduisent les dégâts magiques de 15. Ok.
Augmente les dégâts du chaos et la vitesse de déplacement. C'est ça, les dégâts du chaos. C'est ça que j'essayais de... Waouh, c'est... C'est ça que j'essayais de... De me rappeler. Ma vie est vouée à la destruction de la Légion. Voilà. Dégâts d'immolation, d'immolation, frappe du chaos sont augmentés 10% tous les jours. Bon après on changera certains trucs hein. Là je dis tous les jours mais si ça se trouve après je vais être en mode ouais non je préfère autre chose quoi. Donc là on le fait juste pour le level up hein, actuellement. C'est juste pour ça. Libérez vite les autres Illidari. Quoi il y a ça là? Ah! Je suis éveillé. Combien d'années cache s'accomplir dans cette cellule? Ah bah un sacré paquet de temps ouais. Et oui. La Légion est ici. Ah merde, vous avez des quêtes pour moi, mais. J'espère que Maïev n'a pas commis une erreur en vous libérant, Illidari. Allez-y, je reste ici. On a déjà parlé mieux avec vos bouches là. On cherche à détruire notre mort à la Légion pour délivrer nos alliés. Occupons-nous d'abord. Bonjour. Le Seigneur Gul'dan nous mènera à la victoire. Voilà, là, là, du moins, là, comme ça, je peux me permettre de. D'être beaucoup plus agressif, vous avez vu, j'ai pas de temps mort. Je recharge beaucoup plus de sorts, donc c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Bah c'est mieux que rien hein. Moi t'avais des voix que... voilà, c'est... Ah commencez pas à me demander du matos là, hein. Vous êtes à peine sorti que ça y est, ça pleure. En mode oui, faut comprendre, on n'a pas ce qu'il faut. C'est honteux. On va libérer tous ces Illidari. Visiblement il a rien à foutre de moi. Ça fait plaisir. Cinq. Mes lames vous obéissent. Je pars en reconnaissance. Six. Sept. Qui c'est qui manque alors? De l'eau a coulé sous les ponts depuis Mardoum. Je suis prêt à reprendre. Et 8. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer tous ces cons. Après tout ce temps passé en Égypte. Ma lame leur a coulé le sang. Et là! Ok, on peut se tailler. Bon, il y a un rare juste au-dessus, apparemment. Ainsi donc, la gardienne nous avoue sur les remises à ses ennemis. C'est sans espoir. Merde, il est où là? Si, il doit être au-dessus, mais il s'est fait tuer. Il va réapparaître. Il est par là. Il est par là. Et vous? On le voit plus. C'est censé être ici, hein. C'est inadmettable. Où est le rare?
Comment ça, il y a un mur invisible? Ah ouais, carrément. Tant pis. On n'aura pas chopé le rare en question. M'étonne cette histoire. Gul'dan n'aurait jamais pu pénétrer seul dans cette salle. Oui, je une de mes gardiennes m'a trahi. Que nous sommes le dernier. Je sais ce que c'est que d'être trahi. Alors. Ça, je m'en fous, je vais prendre ça. Ça, c'est bien ça. Ça nous permet d'avoir deux charges pour aller encore plus vite. Ah, le lancer de glaive. Comme bon vieux temps, pas vrai, Kay? Ne me parle pas du bon vieux temps. Tu as trahi, Illidan. Tu nous as tous trahis. Calmez-vous, là. Comme ça, il meurt en même temps. J'ai tout sacrifié. Et vous? Vous avez entendu la gardienne. Nous sommes les seuls. Ah, Kel'Thazor, il est revenu. Kel'Thazor plutôt. Imbécile. Tu ferais confiance à la gardienne? Elle nous hait presque autant qu'elle hait la Légion. Tu ne crois en rien. Nous ce petit seul. Il est là-bas. Tu es un chef sans partisan. J'arrive. Tiens! Vous et vous! Je démon, chasseur de démons! Nous luttons au nom du seigneur Illidan! Tenez bon! Ne les laissez pas passer! Il est descendu? Ah merde, il est descendu! Non, pas vraiment en fait. C'est bon, il est là. Impec! Nice. Voilà. Tous succomber à la Légion. Pas du tout. Je suis en pleine santé, en pleine forme, tout va bien. J'ai pas pris cher hein, du tout. Ça va vite. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Dégâts, on s'en fiche. Chance de faire apparaître un fragment d'âme. Ça c'est bien. Inflige dégâts à la première cible. Ouais. Danse des lames qui fait plus de dégâts à la première cible. Touché. Votre persévérance est admirable. Mais mes démons occupent l'ensemble du cadre. Votre seule issue est la mort. Spoiler? Non. On va pas se faire tuer par toi, va. T'inquiète, poupiette. On a buté un paquet de démons. Quoi? Pourquoi j'ai perdu ma... C'est de la folie pure. Les gardiennes ont perdu le contrôle de leur prison. Mort à la Légion. Déjà? Non mais ça va vite. Ne cédez pas les seuls. C'est dingue. Ok. On ne peut pas se permettre de perdre Kane et Altruis. Ne perdez pas de temps et allez les aider, vite! Ouais, on va prendre ça, hein. Ça, c'est tout ce qui est tanky, là. Je m'en fiche de tank. Partir sur ça. On va prendre le stun. Ok, le stun il est parti, je sais pas où. Augmente les chances d'esquiver de 50%, réduit tous les dégâts. Alors ça c'est un gros CD de protection, je vais le foutre ici. Ça je vais le mettre là parce que je sais pas quoi en foutre. Ça je vais le mettre là parce que je sais pas quoi en foutre. Lancer de glaive, je vais le laisser par là. On est bon. Emprisonnement, donc ça c'est un sort de contrôle. Je vais le mettre ici. En vrai les sorts de contrôle j'aime bien les avoir à portée, je vais le mettre là. Bon, tu veux que je fasse quoi, toi? Contre-mesure activée, ok.
Bonjour. J'arrive, vous tapez. Mais il est costaud. Ah mais non, mais il faut que je fasse ça. Je suis en train de me dire, attends, mais il est vachement costaud. Voilà. C'était bizarre qu'on lui fasse pas de dégâts. Beaucoup trop étonnant. Miroir tourné. Ah oui, non mais c'est les trucs qu'il y a fait. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voulez-vous battre le marave? Boing. 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 Le rayon de la créature est braqué sur moi. Réorienter le dernier miroir pour pulvériser son bouclier. D'accord. C'est quoi, celui-là? Et quand tu dis dernier miroir, en fait c'est le premier que tu veux dire. Le bouclier est brisé. En fait. Et la créature est étourdie. Profitons-en pour évacuer. Putain, il y avait un boss comme ça dans... C'était Mist of Pandaria, c'était... Eh ben, Trône du Tonnerre. Comment il s'appelait, putain? Il y avait un truc comme ça, avec des couleurs. Je me rappelle plus le con, là, qui faisait ça. Dans la mémoire, quoi. Mais il me semble que c'est ça, hein. Pas du tout. M'en fous pas lui. C'est clair qu'on va gagner un temps fou. Vous avez vu la vitesse à laquelle je me déplace? C'est trop bien, c'est trop kiffant, chasseur de démons. En fait, c'est mon problème. Vous savez ce que c'est mon problème? C'est que j'aime trop WoW. Et comme j'aime trop WoW, ben, j'ai envie de jouer toutes les classes et j'ai envie de tout faire. Et c'est ça le problème. Là, j'ai retrouvé l'envie et le plaisir de jeu que je n'avais plus à l'époque. Les autres vous attendent là-haut. Donc du coup là je veux tout faire en fait. Je veux juste tout faire. D'habitude d'avoir peur de se faire écraser alors que tout va bien. Bon là j'ai changé tout ce qui n'était pas héritage. Dommage. Pourquoi il est costaud lui? Vos alliés sont tombés. Mon armée vous écrasera avant que... Mais non, ferme-la, tu vas rien écraser du tout. Je te l'ai déjà dit 50 fois, tu vas te faire tuer et puis c'est tout.
T'auras que tes yeux pour pleurer. Et même pas tes... Même pas... Il restera même pas tes yeux. T'auras même plus tes yeux. Ah, les deux cons qui sont en train de se tabasser. Arrêtez de vous chamailler. Le temps presse. Le seigneur Illidan nous a appris à nous battre et à persévérer envers et contre tout. Augmente les chances de voir frappe du chaos rendre 25% de chance de critique. Dans des lames réduites, les sons reçus par la cible, on s'en fiche. 20% de dégâts supplémentaires, c'est bien. Là, on partirait sur quoi? Vol corrompu réduit les dégâts. Tu as tué les nôtres. Non, pas de la cible. C'est bien ça, éruption gangrénée. Hein. ...25% de chance par rapport aux critiques. Non, on va prendre les dégâts. Hein. Mmh. Bassin du jugement, d'accord. Ma vie est vouée à la destruction de la Légion Arthur. Alors, soldat loyal les plus fidèles lieutenant. Renégat pour... non. De toute évidence, vous ne vous laisserez pas convaincre. Nous brillerons d'avancer. Évidemment que je prends le soldat loyal, t'es complètement con. Je vais donc prendre congé. Ouais, c'est ça, barre-toi. J'espère que vous ne connaîtrez pas le même sort qu'Illidan. Bah, pourquoi tu veux que je... Mais non. Désolé, mais entre quelqu'un qui est loyal et un autre qui fout la merde, bon, bah, le choix est vite vu. Hein. Ah, ça, c'est le kick. Ça, c'est le kick. Ouais, ça je vais foutre là pour l'instant. Allez! Vous ne reverrez plus jamais la lumière du jour. La liberté n'est qu'une chimère absurde. Ne résiste à la Légion. Allez, ça c'est fait. Oh, il pleuvait! Quoi? On a eu la pluie l'espace d'un instant, j'ai pas fait gaffe, mais bon, le temps tout sent. Je vais tellement vite avec ce perso que je suis en train de dire: attends, il se passe un truc! Je suis déjà à l'autre bout de la map. Ah oui, il pleut bel et bien, oui. Le seigneur Illidan est notre guide. Nous sommes libres, nous sommes libres. Chasseur de démons, Azeroth a besoin de votre aide. Ah non, les îles britanniques. Ah non, ouf. Ah non, je veux pas y aller aux îles brisées, je vous le dis tout de suite. Hein. La connaissance et le pouvoir. Cavalier sans tête, on peut toujours pas? Ah si. Dior, who are you? You're bon, pour l'instant on n'a pas de titre, on n'a pas le comte, évidemment, Dracula. J'ai tout sacrifié. Et on l'aura. Niveau 20! Quoi? Niveau 20 déjà? The fuck? Malavor, non. Très utile en PVP. Non. Augmente... M'emmerde toute cette histoire là. M'en fous des sigils de feu. J'en ai rien à foutre des sigils de feu. Augmente la portée, allez. On prend la portée des trucs. Ce sera toujours mieux que rien. Qu'est-ce que Vision Spectrale utilisait? Ah! Le seigneur Illidan. Monsieur, il y a des démons. On les a vus. Parfois nous devons combattre. C'est le bordel. Hein. Je touche pas toi là-bas. Dommage. Ouais.
Je crois que j'ai rien à foutre ici. Comment faire bugger les textures? Allez voir, il est dans le quartier des mages, hurle le vent. Ok. Alors, je rappelle que, comme on a dit, moi ce qui m'intéresse, c'est de. Je peux pas vous laisser, ouais. De faire les rares qui traînent un petit peu partout. Donc, on risque d'avoir quelques quêtes à faire au tout début, très rapidement. Très rapidement. Et après, on pourra choisir ce qu'on veut pour aller où on veut. On n'a pas encore accès. Je vérifie, mais. À Chromie. Le texte est tout petit par contre. Pam, param, param. Si. Je pense qu'on a accès à Chromie. Je vois qu'elle est là. Bonjour Madame Chromie. Sélectionner ligne temporelle. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre une extension que beaucoup de gens détestent, mais que personnellement, moi, j'aime beaucoup. C'est l'extension de la Horde de Fer, qui nous permettra d'avoir le fief. Il y a beaucoup de rares, il y a beaucoup de trucs à ramasser un petit peu partout, donc c'est vraiment sympa. Et du coup, on va partir là-dessus, je pense, parce que Cataclysme... On va prendre la Horde de Fer. Beaucoup de trésors dans tous les sens aussi. Donc beaucoup d'XP. Ça fait énormément d'XP et on aime l'XP. Bon, les gens ont l'air plutôt gentils là. En forme de dragon, est-ce qu'on voit l'équipement par-dessus son skin? Ah, seulement les épaules et la ceinture. Ah. Du coup, c'est très moche. Ouais. Et ouais, c'est pour ça que je vous ai dit que moi, personnellement, je vais le tester, hein, le dragon, mais je ne vais pas le... Je pense pas que je vais en faire mon perso parce que c'est dégueulasse, tout simplement. Je suis navré, hein, il faut dire ce qu'il faut dire... Je trouve qu'ils sont dégueux. Personnalisation se laisse drag tirer à poil. Il aura juste les épaulières visibles. C'est awkward. Putain, ouais, bon, d'accord. Ça peut être temps de changer encore. C'est un détail. Évocateur est supérieur à All. C'est vrai qu'évocateur est extrêmement puissant. Supérieur à All, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais. Mais oui, c'est très puissant. Attends, pourquoi je suis transformé en. Ah oui, je l'ai là le monde. C'est vrai que j'ai les malus en haut à gauche. J'oublie. Je vais garder les bonbons. Si jamais j'ai des trucs à acheter, tout ça. Je peux pas en manger plus. Ok, hein, genre quoi. Genre. Hein. Je peux pas, yar. Ah, par contre, je peux planer en grenouille. Dis ça aux mécagnomes. C'est vrai que les mécagnomes ils sont un peu emmerdants. Évocateur heal ou DPS fumé. Bah évidemment que les deux sont fumés. De toute façon, mesdames et messieurs, il faut se dire une chose. Là, actuellement, il y a une nouvelle classe qui sort. Une nouvelle classe. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu une nouvelle classe? Donc évidemment, le but va être de les rendre extrêmement fortes, ces classes. Parce que comme ça, du coup, ça va donner envie aux gens de la jouer. Si évidemment la classe est nulle à chier, bah, les gens vont pas la jouer en fait. Tout simplement, ils vont être en mode, bah non, ça m'intéresse pas. Pourquoi se faire chier à monter une classe qui est nulle? Donc, il n'y a pas de mystère ni de secret. Hein. C'est évidemment que cette classe sera fumée. Mais c'est pas dérangeant. Parce qu'après, quand on dit fumée, bon, tout est relatif. Va falloir savoir bien la jouer aussi. Hein. Ça n'est pas gratuit tout ça. Par contre,
Je viens de penser à un truc là. Ah, c'est 30. Mais ils nous ont donné la monture à 20? Level 20? J'ai même pas fait gaffe. Ils nous ont donné la... Je sais pas du coup. Merde, j'avais... Attendez, je suis un peu en train de bugger, mais on n'avait pas accès à une maîtrise level 20? Peut-être que non. Peut-être que non. Bon là, je fais... comment ça s'appelle le cavalier sans tête uniquement pour avoir une chance d'avoir la monture. Après, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Soir. Allez. Le mystère est défait, la vérité à nu, le destin. Oh mais j'ai la métamorphose, j'ai même pas fait gaffe. Dame. Tiens. Goldor a craqué. Elle est où la tête? Là-bas. Attends, mais c'est moi qui m'en aggro là. C'est Raitos. Raitos qui est quoi? Un humain guerrier. Ah, j'adore les guerriers. J'aime beaucoup, beaucoup les guerriers. Où est la tête? Là-bas. Je suis peut-être allé un peu fort. Je savais même plus où j'étais. J'ai fait la charge en mode YOR! Plus le rayon accablant. C'est ce que j'appelle bourré comme un âne. Elle est où la tête? Là-bas. Voilà. Cette fin importune. Que faut-il au destin? Raté, c'est dessus. Non, raté, je fais n'importe quoi. Ok. Ornemental, déjà connu, Osef. Ça c'est moins bien que celui que j'ai là actuellement. Donc on est bon, tout ça on s'en fout. Faut que je vende toutes ces conneries. J'ai des points à distribuer. À l'aide. Réduit les dégâts. Non, on s'en fout. On augmente les dégâts. Carrément. Dernier coup de danse et lame est augmenté de 40% supplémentaire. Et ça, c'est chouette. Bon, par contre, comme j'ai dit, j'avais pas vu que j'avais ma métamorphose. Je vais foutre la métamorphose là. Je fous tout ça ici. On peut jeter. On verra bien. Bon, mais pas de chance, hein, mesdames et messieurs, encore une fois. Point de monture à l'horizon. Arrêtez de me taper. Vous êtes méchants. Et il faut, j'ai dit, que je vende tout ce bordel. Augmente à 10 la puissance d'attaque contre les démons. Gravé à la gangrène. Trop stylé les noms des trucs. Agilité de 29, c'est fort ça aussi. Enfin c'est fort par rapport au level en question. Après en soi, bon on s'emmerde hein, mais... Est-ce que du coup je fais du donjon aléatoire de World of Draenor? Ouais, j'ai envie de dire ouais. Hein. Ça donne des PO, ça donne de l'XP. 17 000 d'XP, c'est quasiment un level entier rien que sur le bonus de fin du donjon. Donc, hors quête et tout ça. Observez et réfléchissez. Ah oui, c'est vrai que non, on peut pas tag en donjon tant qu'on fait l'introduction de World of Draenor. Nous avons encore beaucoup à faire, comptons tous sur vous. C'est vrai. Point. Allez-y. Très bien, Moussi Zlak. C'était tellement sa voix. Oui, moi. Si vous voulez vraiment arrêter la horde de fer. Oh non, mais ça c'est pas du juste. Je veux pas te taper toi là, tiens mange. T'apprendras à m'emmerder.
Bon, par contre, c'est un peu chiant parce que j'avais mis l'add-on qui permettait de voir les trésors de Warlord of Draenor et du coup là ça ne va plus être actif, si je dis pas de bêtises. Donc c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. J'ai désactivé pas mal d'add-on suite aux soucis qu'il y avait. Je sais pas si. Non, le donjon est prêt. Je croyais que c'était pas possible de taguer en donjon. Il y a plein de gens qui jouent à Warlord of Draenor. What? Est-ce qu'ils vont me faire mentir? Les intrus libèrent notre prisonnier. Arrêtez-les! Ah, Oshindun. Swear. Swear. Tu nages à contre-courant dans une rivière d'âme. Tu devrais rebrousser chemin. La gueule du... Sorcilus, le fabuleux. Oh, trop stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa transmo et son nom et tout ça. Bon, nous, quand on se raconte Dracula aussi, ça sera stylé. Hein. Alors, il y a des chances que... Bon, je sais pas trop, mais... Qu'à un moment donné, je continue à jouer... comment ça s'appelle, hors vidéo. Je vais essayer de ne pas le faire, je vous le dis franchement. Mais il est possible. Ok, je dis bien, il est possible qu'à un moment donné, je me retrouve à le faire. En mode musique et... je mets de la musique et je farm tranquillou. Même si ça n'est pas le but, hein, évidemment. Le but est de tout vous montrer, de papoter avec vous et de s'amuser, mais on va voir comment ça va se passer. Yor. C'est pas marcher sur les glyphes, hein, qui font tout péter. Si possible. Sorcilus! Il est trop stylé. J'adore Sorcilus le fabuleux. Il est vraiment trop bien. Je vais dire. Trop stylé Sorcilus. J'adore les gens qui ont de l'humour comme ça et ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui s'amusent à créer des persos comme ça. Bon là mon perso il est dégueulasse, il ressemble à rien. Hein. Enfin il est pas dégueulasse, mais c'est juste qu'il ressemble pas à Dracula quoi. Mais je sais déjà qu'avec les transmos de... comment ça s'appelle, des Ventir, on aura une magnifique... une magnifique transmo qui ira super bien. Et ça, ce sera stylé. En plus avec le titre. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Bon là c'est l'histoire des trucs de la lune et tout là, hein. Il faut se mettre dans les bons trucs en question pour remplir toutes les phases de la lune. On l'a pas eu, dommage. Là faut se mettre voilà sur ces petites bébules pour être tranquillou. Je
Je me suis même pas transformé, quel sac. Sans déconner. Putain, de guerre. Oui, c'est vrai qu'il y a du stuff de guerre qui peut tomber. C'est... N'importe quoi. Il faut mourir, monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Level up. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ah non, mais c'est pas moi qui ai level up, c'est quelqu'un. Merde, je suis en train d'aggro comme un connard alors qu'il est pas là. J'ai même pas fait gaffe en fait. Hein. Ça faut pas faire ça, mesdames et messieurs, c'est juste que j'ai pas fait attention. C'est hyper chiant quand on joue tank, de pas gérer l'aggro. Je sais que pour beaucoup de gens ça paraît être débile et vous êtes en train de dire mais c'est pas grave parce qu'en fait bah, du coup je m'en fous, ça prend l'aggro mais bon voilà. C'est pas dérangeant. Un tank c'est lui qui gère, qui mène la cadence hein. Et même pour le heal, du coup il doit focaliser une autre personne à soigner et tout, c'est vrai que c'est casse-couille. Donc faut faire gaffe. Faire gaffe à ça. Le tank lead le groupe. Oui, approchez. Vos âmes sont repoussées. Je me repéterai de votre terreur. Et oui, tu te repéteras. Crée œil de la bête perspicace. Ah, quelqu'un a fait l'héritage et s'est rendu compte qu'il l'avait pas. Ça va monter vite hein. Après en plus ce qui est bien c'est que si je monte très très vite, on va pouvoir s'amuser à aller faire des anciens raids, des trucs comme ça, s'entraîner pour voir si effectivement on arrivera ou pas à soloter des raids. Donc ça va être cool. Attendez, Allô. Ah. Quoi? Hein? En plus mon mode fétiche, on va pouvoir se balader dans les salles de Scodus et tout ça, Scotus ou je sais plus qui, bref, truc à la con là dans les geôles, ça va être trop stylé. Ça va être cro bien. Il y a plein de sorts qui sont cool. Il est beau hein, avec ces trucs de neige lui. Et voilà. La pauvre prêtresse qui est 300 mètres plus loin. Ça aussi ça m'évitera d'être emmerdé par les gens qui courent partout, parce que du coup je cours partout. Voilà. Ça me fera plus chier pour ça. Un point là-dedans. Chance de coup critique d'immolation. Ouais. Ça a pas l'air énorme, mais mine de rien, c'est cool. Hein. Parce qu'au final, l'immolation fera beaucoup de dégâts sur notre DPS. Faut pas sous-estimer ce sort. Qui est un DPS constant passif, donc c'est cool quoi. Donc surtout ne pas l'oublier, le sous-estimer et activer en permanence. Bon là pour le coup c'est vrai que je découvre moins que quand je jouais
la démo, forcément. Parce que j'ai déjà joué Chasseur de démons, pas mal d'ailleurs. Donc il n'y aura pas ce côté découverte à 100%. Par contre, évidemment, je vais découvrir des nouveaux trucs. Ce qui concerne les talents qui ont été changés. Et notamment la traque que je n'avais jamais joué. Parce que même si j'ai pas mal joué Chasseur de démons, je n'ai pas joué Chasseur de démons assez haut niveau pendant longtemps. Donc. Tous les nouveaux sorts et tout ça, je les avais pas. Hein. Je montais mon DK, mon paladin. Non, pas le paladin. Pas le paladin, pardon. Chasseur. Chasseur, j'ai beaucoup monté. J'en ai monté 2 ou 3 d'ailleurs. Pourquoi? Parce que. Voilà. Faut pas chercher. Parce que j'aime chasseur. Tu ne m'aspireras pas. Sur Célus, il se retrouve à la flotte, le pauvre. Il est en l'eau. Ah non, c'est un autre. C'est Luluzi. Ça en plus, après, on fera des îles inexplorées aussi. Et ça va être très pratique pour les torcher. Bon, ces épées on les changera hein, parce que là ok d'accord hein, c'est... je me la pète parce que c'est des trucs légendaires mais en fait elles sont dégueulasses hein. Très honnêtement elles sont ignobles. Dégueulasse total. Bon, lui il va poser problème. Si les gens connaissent pas la strat, c'est chiant. Pas dans le sens qu'ils connaissent pas la strat, hein, parce que tout le monde a le droit de pas connaître évidemment. Mais ça casse les couilles parce qu'il va tuer beaucoup de personnes avec les petits squelettes qui vont avancer et qui vont bah, faire des gros dégâts. Donc j'ai toujours un peu trouvé dommage que ce boss soit pas très débutant friendly, comme on peut dire. Hein. Très gentil pour ceux qui débutent. Voilà. Quel âge, voilà, et du coup ça fait une ouverture et là on est tranquille. Si on le fait pas, ben on n'a pas l'ouverture et du coup on se fait défoncer. C'est assez chiant. Heureusement il meurt vite. Donc là on va re-level up pour le coup avec le bonus de fin. Et ça c'est bien ça. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Allez Zou. C'est ouf ce qu'on gagne en XP en donjon. Qu'est-ce qu'on va prendre? Chance d'avoir frappe du chaos rang 20, ouais, chance de critique, ça c'était bien on avait dit. La durée de 2 secondes. Pff. Pour l'instant non, je vais prendre ça. Après, ce sera 50% des chances de critique. C'est bon. On parle de grandes adolescences, les gars. Rien dont le commandant ne puisse présenter le dernier espoir. Attends, quoi? Ah oui, là-bas. Je suis en train de me dire, mais c'est pas le bon chemin. Mais oui, c'est normal. Est-ce que tu n'as pas pris le bon chemin, Walter? Oui, t'es un gentil. Évidemment, hein, Gul'dan, très gentil, on le sait tous. Il nous a jamais fait chier.
Les entraves vont céder. Je serai bientôt libre. Quoi, c'est en bas là? Ah non, c'est là-bas. Gros mâche paiera pour son arrogance. Mais bien sûr. Ah, il était en rouge pendant un moment, on a vu son... Il avait son nom en rouge. Ensemble, nous défendrons Azeroth. L'avant-garde s'effondre. Faisons en sorte qu'elle ne se soit pas sacrifiée en vain. Bon, je vais vendre mes conneries là, parce que j'ai plus de place. C'est terrible. J'ai beaucoup d'objets. Par ici. Vas-y, fais-toi plaisir, hein. Mon cher Khadgar, personnage que j'aime énormément. Khadgar, je surkiffe ce perso. Je trouve qu'il est trop trop bien. Il est bien, bien amené dans le jeu. Il est très charismatique, surpuissant. Enfin, tout ce que tu veux, quoi. C'est un bon perso. Très 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 bon perso. J'aime énormément. Putain, on a de l'argent, c'est ouf. Mettons-nous au travail. Restez fidèles, ne nous attardons pas. Nous aurons bientôt. On va reproc pour un donjon aléatoire. Sur le dos. Quelqu'un doit rester en arrière. Retag. Semer la confusion dans le camp ennemi. Les autres iront se mettre à l'abri dans la jungle. On ira se mettre à l'abri dans la jungle. Oui, oui, t'inquiète. Allez hop. Bonjour, je viens cramer tout le monde. Chantez. Salut. Il y a quelqu'un ? Non, il y a personne. Meurs. Bon, faudra que je teste le son, hein. Peut-être qu'il sera encore un peu fort et s'il est trop fort, je le baisserai. Ah oui, ça va piquer un peu, ouais. Non. Faut que j'en tue combien de ces cons là? Ah 6. Ah effectivement le dernier coup on le sent la puissance du dernier coup hein. Au secours, à l'aide. Dernier coup de danse des lames qui a été bien augmenté. Je suis Dracula, le comte Dracula, bientôt. Enfin bientôt. Enfin voilà quoi. Un jour. Alors je sais pas si les vents de la sagesse sont... vont jusqu'au 29 inclus ou ça s'arrête le 29. Voyons. Alors. Hop. Nous avons encore beaucoup à faire. C'est toujours un plaisir. En sommes aidés. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ok, ok. Bon, tout ça, c'est. C'est pas. Ça, c'est bien ça. Ça, par contre, c'est très bien ça. Si j'arrive à faire un kick. Je récupère de la fureur, ça c'est très 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 cool. Parlez, ami. Vous et moi contre un clan tout entier, voilà un combat comme je les aime. Évidemment. Les orques de l'orbite sanglante ont recours à une immense. Donc je voulais regarder si c'est ça que je voulais regarder avant de choper. Parce que voilà. Avec un peu de chance. Concentration de nouveau-né, hein. Tu m'agites un hochet devant la tronche et ça y est, je sais plus ce que je disais. Tiens, prends dans ta gueule, puisque tu vas m'entendre. Toi aussi. Ah, hop. On dirait que Khadgar et les autres passent à l'action. Notre mission touche à son terme.
Évidemment que Khadgar passe à l'action, il déconne zéro. Cher Khadgar. Je sais pas pourquoi cette extension a vraiment déplu aux gens aussi. Le fief y a beaucoup joué, hein, ça par contre. Bon, d'accord, je vais pas faire genre, je suis pas au courant. Mais sinon, l'extension était vraiment pas mal hein, de World of Draenor. Hein. Sans déconner, elle était plus coquée. Hein. Regardez. Oui, oui. Ah non, j'ai pas de deuxième dash. Je viens vous chercher, intrus. Mouche, je t'attends, je pas peur, moi. Viens ici, si vous sentez mort, je vais te bouffer. Tu... J'ai pas peur de lui, hein, clairement. Je vais tabasser tellement souvent que voilà. Il y a plein de gens qui jouent à World of Draenor. Regardez-moi ça, à quelle vitesse ça proc dans les donjons, c'est un truc de fou. Ravi aussi. J'irais même plus ravi au lit. Swear. Enchanté monsieur dame, on est là pour tabasser des gens et le faire bien. Donc s'il vous plaît, concentration. Ça commence à gros de partout. Let's go. Si vous voulez qu'on tape comme des sourds, c'est parti. Ça va gros l'autre qui arrive assis aussi derrière. Exactement. En avant. En avant mes gaillards. Voilà, là je le sens beaucoup moins. Vous savez là ce qu'on avait vécu avec... la petite succube avec le problème où les gens couraient de partout et c'était emmerdant. Là on le sent beaucoup moins évidemment hein, parce que bah, chasseur de démon power. Il arrive quand même à se barrer hors de ma portée de mon rayon, hein, je dis ça, je dis rien. Toi la chute. Oh non, c'est un qui câble. Quel enfer! Vous mourrez, monsieur! Voilà. Dans la mêlée, c'est ça qui me manquait aussi dans la mêlée là, taper comme un gros sourd dans le tas là! En mode. Bon, en vrai, c'est pas mon gameplay préféré. Je rappelle que mon gameplay préféré, ça reste le chasseur, qui est distance. Hein. Qui ne caste pas, ou très peu du moins, évidemment il y a la visée qui se caste, mais c'est pas pareil quoi. Les flèches sans guerre siffleront dans le ciel, et ce sera la dernière chose que vous entendrez. Hop hop pam patadam. Ouais, cramez tout le monde. Comment ça m'emmerder le petit poney là. Voilà. Ils en foutent partout. Et on pèlera le jonc. Nous devrions lever l'ancre.
faire voile vers Calador sans tarder. Calme-toi. En fait, j'ai pas besoin de claquer ma monture, hein. Je suis en train de me dire merde, ils ont mis leur monture, mais non, Zef. Ça sert à rien. Mais capitaine, c'est notre dernier grand. On vivra notre pont si nous rencontrons de Will. Ne discute pas, mes grands. Ce grand n'est pas n'importe quel grand. C'est Kralok. Le sang d'un champion dans ses veines. Je prends beaucoup de plaisir à le jouer. Chasseur des démons, c'est quand même un kiff total. Hein. Démo aussi, mais je sais pas, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas aussi nerveux. Moi j'aime la nervosité sur une game. Après vous allez me dire, attends, t'es en train de dire ça, Goldor, tu joues. T'as joué DK pendant je sais pas combien de temps. Ouais, bon, d'accord. Mais quand même, DK, ça peut être nerveux, hein. Un petit peu. D'accord, mais enfin, voilà, hein, bon. Je rappelle que DK givre, surtout ce que je jouais moi, c'est complètement. T'appuies sur ce qui brille, hein. Mais vraiment, pour le coup, réellement, c'est un truc de fou. T'appuies sur ce qui brille et puis voilà. C'est une classe à proc, comme on appelle. C'est-à-dire quand tu lances un sort, t'as une chance d'en déclencher un autre et ainsi de suite. Et ben, t'as que ça à faire. En soi, c'est vraiment pas compliqué. Démoniste, démonologie du moins, j'ai l'impression que c'est un peu pareil aussi. Hein. Ça a l'air de ressembler à du gameplay proc sur certains points. Mais pas autant que Décagivre. Décagivre, c'est vraiment abusé. T'as rien à faire à part appuyer quand ça brille. C'est... Donc bon, c'est pas si nerveux que ça. Vraiment pas. Quand t'as les bonnes stats, bon, c'est cool parce que t'as assez de statistiques qui te permettent du coup de bien cycler tout ce qu'il faut, mais quand tu les as pas, bon. Je les ai peut-être sous-estimés. Ça va, carnage, Kralok. C'est vrai qu'on s'emmerde plutôt pas mal. Il va faut rester caché. Je m'en souviens. Putain, vous savez quoi? Eh. Avec le chasseur de démons, là, j'ai une envie de tourner des donjons et des trucs en solo. Alors, c'est pas possible, on va se calmer parce que j'ai pas le level encore pour. Mais ça me donne trop envie. Un truc de fou. J'ai envie de de commencer à faire tous ces trucs-là. Aïeux. Je suis caché, je suis mort. C'est ma faute. Hein. J'y retourne. En fait, j'aurais dû rester caché derrière le tonneau, mais je pensais que j'allais pas prendre la salve dans la tronche. Mais si. Bon, heureusement, c'est pas très loin. On a pris combien là? Barrage de canon 432. Ouais, ok, on a pris. Bien tarif. On voit le barge à... C'est lui hein, qui fait ça là-bas au fond. Kralok. Allez. Piu 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 piu. C'est trop stylé en vrai. En vrai c'est méga stylé. Faut mourir monsieur. Bon cette fois-ci je vais attendre que ça passe hein.
C'était une grossière erreur de ma part au début. Chance d'équiver de 50% et réduit tous les dégâts subis de 20%. C'est quoi? C'est juste pour moi ou c'est... Ouais, c'est pour vous. C'est pas encore les ténèbres. Ça en sort très très cool, ténèbres. Capitaine, oh capitaine, oh putain, c'est vrai, les trois petits cons là. Normalement, il fallait tuer le petit, je crois, le souvenir. Fallait tuer le petit con là, celui-là. Je crois qu'ils ont tous la vie liée en fait. Maintenant que je suis en train de... essayer de me souvenir. Ouais, ils ont tous la vie liée. Vous allez brûler. Allez donc. DPS en bouclier. Voilà. Rien du tout. Petite raclure que tu es. Oh, comment je me suis mangé le truc de feu en plein dans ma gueule. Mais lui, normalement, il est monté sur des caisses et après il nous tirait dessus. Il était trop chiant. Je dois confondre avec un autre. Un autre donjon. Va falloir que je me rafraîchisse la mémoire. Hein. Level up. Yes. On prend encore ça. Hein. Pas sans honneur du tout, non? Bah, pas mieux. Putain, je suis con, j'étais à Hurlevent, j'ai même pas utilisé mis mon mode PVP. Oh, c'est pas très grave, mais c'est con par contre. Parce que ça me permet de gagner beaucoup plus d'XP pour le coup. Il faut mourir toi. Toi t'es chiant toi. Voilà. Bon, en vrai je devrais prendre la cible du tank aussi hein. Mais bon. Je fais n'importe quoi sur ce donjon hein. N'importe quoi. Mais je suis pas le seul, visible. Le tank doit être au bout de sa vie. Vous êtes là, putain, vous cassez les couilles, sérieux. Arrêtez d'aggro comme des connards. Toi par contre là, c'est toi qui fous. Toi je sais que t'es vraiment chiant. Je fous tes merdes partout là. Ces trucs de flammes. YOLO. Ah non j'ai pas. J'ai pas assez de... Lancer de glaive sert pas à grand chose. Hein. Il servira en PVP quand on ralentira les ennemis avec, mais là en PVE. Il y a beaucoup mieux que ça. Hein. La dague elle est moche. Ça ne se vendra pas, je pense.
Notre tourbillon là, on dit... C'est vraiment du hors d'eux, hein. Oh là là, il est débilus. Là, ça va s'énerver. Genre, les wars de l'Alliance, ils tourbillolent pas. Alors, si, mais avec classe. Alors que la Horde, tourbillole comme des cons. Je suis désolé, tu vois ce qu'il faut dire. Oh non. Yo! Pourquoi tu me fais peur? Tiens! Voilà. Tellement classe par contre ce boss. J'aime beaucoup, hein. Il est vraiment stylé. Dire qu'à une époque il y avait des chasseurs qui pouvaient avoir des mobs qui ressemblaient à celui-ci en familier. Oh, oh là là. J'en avais déjà beaucoup parlé, hein. Mais tellement classe. Tellement classe, je trouve ça. Vous avez le culot de mettre les pieds sur mes quais et de fouler le pont de mon navire. Tout à fait. Rien n'arrêtera la Horde de fer, ni vous ni d'autres. Bienvenue à l'abattoir, bande de demi-portions. Zagash, prends le contrôle de la tourelle. Capitaine, oui, capitaine. Capitaine, oh capitaine. Un sourire étincelant, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, montrez votre sourire étincelant en disant un cure-dent. D'accord. Je suis niveau combien? 25? Vraiment? Déjà. Ok. Oh merde toi. Ah lui, bah, il va se faire plaisir, hein. Beaucoup de gens jouent des mages arcanes maintenant. Il faut savoir que mages arcanes, ça déboîte. Vraiment, c'est devenu très vénère. Rip Alfie, qui a voulu tracer encore une fois. Mais qui n'était pas chasseur de démons. Ou moine. Je dis ça, mais moine aussi, ça a énormément de mobilité. Le moine peut se permettre de faire des trucs aussi de foufou, courir dans tous les sens. C'est un boss potal. Je sais pas si on aura le temps, hein. Wouh. Merci le druide. Level up. Alors, ponction augmentée de 5%, 5% supplémentaire tant que métamorphose est activée. Évidemment, c'est très très très
très fort. Sinon, on a quoi réduit le temps de recharge? Métamorphose de 60 secondes à moi. Au lieu de 3 minutes, ça passe à 2 minutes. Ah, y'a plus tout le monde. Bonjour. Comme ça on tape sur mes potes? Vous que je t'avais pas vu? Raclure. Non mais... Oula, alors c'était pas prévu. Ça me rappelle tellement Final Fantasy, ces mobs là. Comment ils s'appelaient Oh, ils avaient plein de trucs, ils avaient peste. Enfin non, ils te mettaient plein de trucs, malus, ils te mettaient silence et tout. Oh, j'ai peste. Je sens que les flammes s'éteignent. Ça s'appelait comment? Que se passe-t-il exact? Des os. Il y avait un truc genre O, C, C, H, Y, je sais plus un nom. Je me rappelle plus. Suivez-moi, chaman. Nous allons fuir en traversant les collines. Mais c'était un truc comme ça. Mais là actuellement, je me souviens plus. Comment ça s'appelait? C'est bon? Ah non, oui, il arrive. Putain, level 26, wesh. Ouais. J'avais dit que je voulais faire les rares des zones et tout, de tout découvrir. Ouais, non, en fait. Nous ne pourrons pas nous terrer éternellement ici. Ça va être compliqué. Je monte trop vite. Une arène. C'est je voulais regarder. Mais quitte à mourir, que ce soit avec honneur. Vent de la sagesse. N'a aucun sens de l'honneur. Vent. De. La. Sagesse. Attends, jusqu'au pré-patch? Oh putain, mais on a largement le temps en fait. Mais c'est pas jusqu'au 29. C'est en fait jusqu'à la sortie des Draktyr. Ok. On a une date? Ils sont beaux hein, par contre hein. Les Draktyr sont très très beaux, humainement parlant, ils sont jolis. Après le problème, ça reste voilà quoi, quand ils sont transformés, mais on n'a pas de date. Accessible au jour de la Horde et de l'Alliance. Combattre DPS, spécialisation, dévastation, préservation, nouveau type de sort. Vous avez la possibilité de voler sur le champ de bataille, de lancer des sorts. Oui, non, mais alors voler, faut le dire vite, voler comme chasseur de démons. C'est pas. Faut pas déconner non plus, c'est pas magique quoi. ok, il y a des couleurs, des têtes. Ouais. C'est pas. Pas l'impression qu'on sache du coup. Ok. Est-ce que les gens... Une ou deux semaines, soit pré-patch, une ou deux semaines pour ceux qui ont précommandé l'extension. Une autre chose pour le DH à la Légion. Les gens tourneront à nouveau après la sortie des évocateurs et des évocatrices d'Actir lors de la mise à jour de pré-lancement Dragonflight. Et le bonus d'expérience ne sera plus alors disponible. D'accord. Blablabla. Bla bla. Bon, putain, les gens qui ragent. Ça donne pas franchement une image positive qui donne envie de rester. Ok, bon ben on a largement le temps pour bénéficier du coup de... Ah ben voilà, ok, j'étais pas en train de regarder mais du coup... Je pourrais vous regarder. Les 100 kills ont été faits. Désolé, mais nous allons clairement manquer de temps. Tous avec moi. Let's go. Ça ne fait que 99, sorcier. Alors j'imagine que nous vous en devons encore un.
Poursuivez-les. Et quand on le tuera, il dira là, ça fait 100. C'était stylé ça aussi ce passage. C'est dans Cognefort d'ailleurs. Il est dans Cognefort ce petit con, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Mettons-nous au travail. Exarch Maladar. Il est tellement craqué, hein. C'est un truc de dingue, hein. Il est trop fumé, ce perso. Il pourrait tellement disperser tout le monde sur une planète différente, tu sais, avec ses pouvoirs Khadgar. S'il avait envie. Par contre, en vrai, mesdames et messieurs, je suis impressionné de la vitesse à laquelle on pex. Je sais qu'on a fait des donjons. C'est un truc de fou de se dire qu'en un seul épisode, bon, je sais pas combien de temps on est hein, de vidéo évidemment, mais on se retrouve à autant d'XP engendrés. Même si après attention, faut pas l'oublier aussi, les chasseurs de démons commencent pas niveau 1. Mais tout de même, je suis sur le cul, très honnêtement. Hein. Je trouve ça ouf. Bon après c'est vrai que ça court partout, ça. C'est très rapide comme personnage à jouer. Maintenant que ses commandants sont morts, Ner'zhul va sûrement. Hey, pourquoi j'ai encore 3 minutes? Attends, je comprends pas là. Ou alors parce que c'était encore. C'est censé descendre à 2 minutes. Je vois vos amis dans la salle là-haut. Je pense que je peux m'y rendre sans problème. Il y a quelque chose qui m'échappe. Monsieur le sous-chef Guran, vous êtes prié de décéder. Eh ben non. Bon là, par contre, je vais pas pouvoir l'esquiver. Ok, j'ai plus rien à foutre ici, faut que j'aille de côté. Ungra, quel nom dégueulasse. Enfin, c'est un très bon nom d'orc par contre. Ungra, c'est très stylé pour un orc. Là, par contre, pour ça, je trouve. Ouais, ça rend bien. Ce qui est le cas du coup, hein. Orc Magar. Je les trouve beaux, les orcs Magar. Je sais que d'habitude, j'arrête pas de dire que la horde est dégueulasse et tout, mais vous savez que. Vous connaissez maintenant, mais putain, c'est pour chambrer et pour titiller. Et puis, j'aime bien quand les gens sont. Ah ouais, je vais te taper dessus. Let's go! Moi j'adore ça. J'aime bien quand ça se titille. Parce que pour moi, WoW restera toujours un jeu PVP. Toujours. Que la lumière nous protège. Et du coup, par contre, les orcs Magar, il faut avouer qu'ils sont très très beaux. Vraiment, les orcs Magar, ils sont stylés. Stylés de fou. Alors, dernier coup de danse des lames, 160. Ok, en dot, ça j'aime bien. Le temps de recharge des rayons câblants et danse des lames sont immédiatement annulés, j'aime beaucoup. De plus, infliger des dégâts à vos adversaires sans lui laisser le temps de vous toucher augmente votre chance de critique de 12% pendant 5 secondes. 0 trait de vent, je rétablis les chances d'activer cet effet sur un adversaire que vous affrontez. D'accord. C'est très très bien en vrai, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre le dernier coup hein, qui fait des dégâts sur la durée. Non, je m'en fous en fait. Ça m'intéresse pas. Ça c'est très bien ça par contre. Ouais non, je vais pas partir sur ça. Ça c'est très bien mais ça me plaît moins ça. Touché par le truc de glaive. Après l'aura d'immolation qui... Ouais les dégâts qui augmentent de 5% à chaque fois qu'elle fait des dégâts. En vrai ça c'est bien ça. Ouais mais
prendre ça, hein. Je vais partir là-dedans. Hein. Rayon accablant régénère 20 de fureur toutes les secondes, dur augmenté de 25%, c'est trop fort. C'est trop fort. Donc là maintenant on reset. Quoi ? Hein ? Qu'est-ce que. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je peux pas. Ah ! Ok, je suis en train de me dire, attends, mais il se passe quoi là ? Et donc là, si je fais. Allez, on fait. Hop ! Donc là, j'ai fait mon rayon accablant, j'ai fait mes trucs. Kick parce qu'il m'emmerde. Et là, je fais. Boum ! Et tout est reset. Excellent. Oh, t'es insensible. Ça t'est. Ouais, tu lui demandes de l'aide maintenant que t'es en train de crever. La gueule que t'as, quoi. Bon, on va bientôt être tranquille et sortir de cette zone et pouvoir nous téléporter à Hurlevent pour récupérer donc le mode PVP qui va nous donner, je rappelle, 15% plus 15%, donc 30% hein, avec les quêtes et tout, ce qui est colossal avec les vents de changement. Ça va être chouette. T'es pas gros toi ? Je me disais attendez un petit peu là. Comment ça, ça va pas gros ? Bon, on aura torché le début de manière assez fulgurante. Hein. C'est un truc de fou 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 fou. Encore les fous, 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 fous. Tout le monde est fou. Encore les fous, 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 fous. Alors là, ceux qui ont connu le collège fou, 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 je vous ai mis une claque dans la gueule. Niveau nostalgie, ça se pose là quoi. Ça se pose là, ça se pose là. Pour les autres, pour le coup, vous savez pas ce que c'est. Mais vous avez raté quelque chose. Non, en vrai, oui et non. Si, c'était super marrant le collège fou, 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 mais je rigolais beaucoup quand j'étais gamin. Je sais pas si maintenant je rigolerais autant. Le truc de base, c'est des lycéens qui font n'importe quoi et qui rappent ici quand ils font des conneries. Pourquoi ils rappent ici quand ils font des conneries? Écoutez, posez pas de questions, vous commencez à m'énerver. Non, c'est complètement débile évidemment, mais je sais pas pourquoi ils. Je sais pas, ça rendait le truc encore plus marrant. Qu'est-ce que je me marrais quand je regardais ça, putain. C'était trop bien le collège foufou. Ça date, hein. Ça date de dingue. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont reconnaître cette référence là, mais bon, merci après à la chaîne Manga qui diffusait ça non-stop. C'était sur TPS, je crois. TPS qui voulait dire télévision par satellite. Ça coûtait un bras. Ça coûtait un bras. Bon, il y avait d'autres chaînes aussi, hein. Certaines chaînes qui étaient, comment dire, larges, XXL. Évidemment, hein, y avait beaucoup de chaînes qui étaient cool, mais Manga, moi, c'était celle que je regardais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond de dingue. Mon père, lui, était accro à chasse et pêche. Je regardais tout le temps les mêmes trucs, moi. J'attendais juste de regarder justement le collège foufou, de regarder les Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, les Ranma 1/2, tous ces trucs là. C'était l'époque où j'ai vraiment beaucoup mangé de manga grâce à cette chaîne justement. C'était sympa, bon c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était pour l'époque hein, parce que je rappelle c'était un bras. Et surtout en plus c'était ça repassait tout le temps les mêmes choses. Mais bon, moi je m'en foutais hein, du moment que je voyais Sangoku tabasser la gueule de Freezer. Même si c'était en 95 épisodes et 95 fois les mêmes, ça me dérangeait pas quoi. Mahou ! Mahou ! Agro ! J'ai dit agro ! On n'est pas encore tout à fait sorti, va falloir qu'on répare la machine, qu'on prenne d'assaut tous ces trucs. Eh, je prends rien là.
Faut dire que Jago commence à pousser. Oh Dav Dav. Trop bien Dav Dav, ça fait une paye que je l'ai pas vu. Vous en souvenez Dav Dav, si vous avez regardé mes vidéos, souvent il me balançait des MP en me disant comment ça va et tout. Hyper gentil. Vraiment, c'est une gentillesse de dingue. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont très 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 agréables sur le jeu. Vraiment, ça fait plaisir. Comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Bon, j'ai jamais dit qu'il y avait que des mauvaises personnes. Heureusement, sur vous, c'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se rappeler des gens qui cassent les couilles. Et il y en a, il y en a un bon paquet. Malheureusement. J'en discutais avec Nightily qui me parlait de drama qu'il y avait eu avec des gens qui jouent en RP et tout. C'est compliqué hein. Sur les serveurs RP, il y a beaucoup trop de drama. Allez-y, parlez. Pour rien. Mais ça fait partie aussi du problème que les gens ne savent pas faire du RP. Je suis désolé hein. Mais faut pas s'énerver quand tu fais du RP quoi. Ça sert à rien. Et faut pas prendre personnellement ce qui se passe sur le personnage comme étant toi en fait. Ton personnage est différent de... Je peux faire quelque chose pour vous ? Ah, c'est pas bon ? Mais non mais... Est différent de toi-même. Et il y en a qui n'arrivent pas à faire la différence en fait entre justement personnage et toi. Et toi. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est pour ça que j'aime beaucoup encore une fois, hein, j'en ai parlé souvent mais d'Alexpeed qui fait du RP sur GTA 5. Qui a une bonne philosophie, alors je peux parler de lui comme je peux parler de plein d'autres personnes aussi, mais qui lui avait une philosophie, il disait qu'en gros, bon ben voilà, ce qui se passe avec mon personnage, ça se passe, enfin ça impacte mon personnage, mais pas moi personnellement, le joueur derrière le personnage. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais trop peu, et notamment en RP. En RP, les gens ont tendance à beaucoup subir personnellement ce que ton petit bonhomme est en train de vivre, et c'est ce qui fait que ça donne des dramas de partout et des gens très 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 cancer et des mauvaises ambiances et tout. Donc bon, je vais prendre ça, ponction. Donc bon, faites attention, essayez de ne pas tomber là-dedans si vous faites du RP, et de toujours se dire que c'est votre personnage, c'est pas vous, ça n'est pas vous. Et si tout le monde faisait ça, croyez-moi que l'ambiance serait bien meilleure. Bon, comment ça se fait que j'ai un temps de 3 minutes là ? Ça m'énerve quand même. Je comprends pas pourquoi j'ai pas 2 minutes. Il y a un truc que j'ai raté quelque part. Je sais pas ce que c'est. Soit c'est pas méchant, mais bon. Mais non, j'ai pas pris le talent. Si, il est là. Réduit le temps de recharge de métamorphose de 60 secondes. Ok. Tant pis, je sais pas trop pourquoi. Enfin libre. Par l'esprit de mon père. C'est une 4 minutes de temps de recharge normalement ? Mais non, pas du tout. On est obligé de dépenser les points pour valider. C'est pas grave, on verra bien, on comprendra au fur et à mesure. Peut-être que c'était 4 minutes et que j'ai pas fait attention au timer. Et je pensais que c'était 3 et que ça passait à 2. La lutte continue. Allez, allons réparer la machine et cassons-nous d'ici. Allez-y, parlez. Vous vous battez pendant que moi je répare. Ouais. Pa pa pam, pa pam.
Putain, c'est un gros de loin. C'est pas tranquille. Bande de vilains. Le méga insulte quoi, bande de vilains. Regardez, on devrait pouvoir grimper en utilisant ces chaînes. Allez, bonjour monsieur dame. Vous serez prié de décéder, je vous prie. De manière rapide si possible. Mangerez. Bah, je dis ça mais je risque de passer un mauvais moment parce que j'ai aggro. Quoique, qui dit aggro dit aussi tuer des mobs et du coup dit récupérer des points de vie grâce au fragment d'âme. Allez, ça là. Hop là, soigné. Alors, t'es deck ou pas? Ah, je peux pas le... Ah, démon bête, ouais, bah oui, voilà pourquoi. Ah, il faut mourir. Voilà. Je vois les commandes. Je peux faire quelque chose pour vous. Je crois en vous. Allons-y. Direct, nous sommes arrivés juste à temps. J'aime bien qu'on y répare un coup de clé à molette en mode huche, huche, huche. Ce que nous pourrons, Taelin. Vous, empêchez ces orques de s'en prendre à nous. Oui, oui, oui. Tiens. 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 Allez, on meurt, s'il vous plaît. Les moches. Mais t'es pas mort? Ces commandes, c'est du grand n'importe quoi. Rappelez-moi de plus jamais conduire un char orc. Oh bah de toute façon on comptait pas te faire conduire un char orc hein. Ils arrivent. Ils apportent des explosifs. Détruisez ces chariots avant qu'ils soient trop près. D'accord. Ils sont si nombreux. Ah, ça c'est clair. Hein. Ne baissez pas les bras, paladin. Vous ne passerez pas. Allez hop. On est bon. Il démarre. Finissons-en. On l'a jeté contre le mur. Vous auriez pas vu ma clé à molette dans le coin? Bah écoute, vu que t'as tapé comme un sourd sur le sur le truc là. Je sais pas trop. Putain, mais on a plein de... Mais attendez, on a level up deux fois. Ah non. Ne sois pas stupide, canard. C'est la fuite. Guet de Khadgar. Si vous subissez un coup fatal, Khadgar renverse le cours du temps pour vous sauver. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 3 minutes. On n'a pas le, buff où on, c'est la fuite, des mandades ou je sais pas quoi là. Il me semblait. Bon, systématiquement des coups critiques, c'est tellement de force. Allez, on se dépêche. Vous ne pourrez pas vous cacher, étranger. C'est mon monde. Nous vous retrouverons. Ne faites pas. Ah, cette musique. Nous allons chercher des renforts en ombre lune. Mettons-nous au travail. Bienvenue sur Draenor. Eh ben merci bien.
déjà un rare. Ça, c'est pas beau, ça? Et ici! Engeance démoniaque! Vichy là, Vichy là! Vichy, Vichy, que je te dis! Allez, zou! Qu'est-ce que ça fait mal? Ah ouais, il y a des joueurs, hein? Regardez! Diaxos d'Archimonde! Allez, à moi! Ouais, j'ai pas les trésors d'afficher. Ceux qui s'écartent du chemin. Mais tout à fait, mon cher prophète Valan. Cette âme noble est venue d'un autre monde pour nous aider. Je suis content de te voir, mon enfant. Mon peuple vous remercie pour votre aide. Avec plaisir. Prophète, il faut que vous sachiez. La Horde de Fer compte soumettre quiconque s'oppose à elle. Nous devons préparer nos défenses. Nous réglerons ces problèmes un à un. Mais d'abord, trouvons un endroit pour les vôtres. Cet endroit contrôle l'accès à notre vallée. Quelle nouvelle du front? Marcher dans la plantée. Bah, la nouvelle, c'est qu'on tabasse des gens. D'autres questions? Votre destin. Je peux ouvrir un portail vers Hurlevent, mais pas trop longtemps. J'espère que je ne regretterai pas. Je veux rentrer, je veux y aller, Hurlevent, s'il vous plaît. Prophète, s'il vous plaît. Je vous assure que le commandant que nous avons choisi représente la fine fleur de l'Alliance. Évidemment que je représente la fine fleur de... Je suis trop fort. S'il vous plaît. Nous y sommes, les gars. Les pionniers de l'Alliance sur ce nouveau monde. Non mais ça, je m'en fous du coup. Les hommes se tiennent prêts. Chercher du bois, tuer des corbeaux, en avant. Quelque chose me dit que la vie sera longue et glaciale. Des corbeaux tueurs géants, c'est clair que dit comme ça, ça donne pas envie. Mais en vrai, ça va bien se passer. À travailler. Encore du travail. Voilà, j'arrive pas à le faire là. J'ai trop tourné aujourd'hui. J'ai tourné beaucoup trop de vidéos, donc du coup ma voix est un peu pétée à force. Faut que je me réentraîne à faire des voix. Tu hurles rien du tout. Tu tapes pas du tout. Allez, 7. Et le 8e. Prêt à travailler. Impeccable. Bon, faut pas... Putain, level 29. Mon dieu. Mais attendez, mais on va passer 30. Ok. 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 D'accord. Bonjour, commandant. Je ferai jouer quelques contacts. Excellent choix de bois.
Un travail impressionnant, commandant. Excellent choix de bois, vraiment. Écoutez, j'ai pris des arbres, hein. C'est vrai que c'est du bois d'arbre. Les bois d'arbre, le bois d'arbre, il faut savoir, mesdames et messieurs, que le bois d'arbre, c'est meilleur bois possible. Il est con, ce mec. JPP, quoi. Allez, 10% de ponction, 20% quand on est en métamorphose. Il dit que j'ai choisi du bon bois alors que j'ai pris le premier qui se présentait à moi, mais bon. Mais bon, voilà, quoi, hein. Hein, ouais. 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 Cassez-vous, il n'y a plus rien à boire, marrez-vous. Bonjour. C'est pareil. Oh bah maintenant ça se barre. Genre je vous tabasse et là vous êtes en mode ouais non tout compte fait. Je viens de me rappeler que j'ai aquaponé. Ah là là. Il y avait un truc par là, non? Non, il n'y a pas de trésor? Il faut que je remette le truc des trésors. Voilà. Il faut que je remette la donne des trésors. Parce que ça va être chiant sinon. Du coup, level 30, ce qui veut dire que ça y est, j'ai accès à la monture volante. Ce qui veut dire que... Ouais, ok. Ce qui veut dire que... Ok. Non mais ce qui veut dire que du coup on va pouvoir se balader un petit peu, faire des rares et... Et c'est cool. Nettoyer la zone devrait être facile. Nous avons du... Ah voilà. Vous n'avez qu'un mot à dire, commandant. Ce sera fait. Je prends l'alliance. À vos ordres. Je prends. Où en sommes-nous? Je prends. Attention, commandant. Y'a rien à faire ici. Blafard existe okay. Vraiment. Je sais quels sont leurs véritables pouvoirs. Je prends. Je prends ça. Ok. Je peux vous aider. Ok. Quoi? Parlez-moi. Boulot. Surveillez vos arrières. Oui, c'est bon. On est bon. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ici? Rejoindre la boulonnerie de siffle. Non, mais. Hein, c'est fou, je pense, là, c'est la boulonnerie, là. Besoin d'aide? Besoin d'aide? Adieu. Merci pour ton rapport. Bon là c'est beaucoup de blabla hein, mais du coup on va gratter un level instant. Bonjour commandant, ce sera fait pour l'alliance. Évidemment que c'est pour l'alliance, c'est pour quelqu'un d'autre, je te dis pas quand je t'aurais pété ta gueule. Objet récupéré de la galère, sauvetage d'épave. Ah mais on a plein de trucs à faire là-bas. Putain mais c'était pas là maintenant qu'ils nous donnaient Ah on a la pierre de fief, c'est... Mais non mais chute, c'est ça que je vais faire. Voilà. Donc du coup on va se téléporter à Hurlevent, activer le mode PVP, acheter les montures, enfin les maîtrises de vol quoi, et puis voilà. Puis voilà. Et on s'arrêtera là pour cet épisode, pour ce payozode je dirais même. Et tant que vous appreniez à voler, ouais mais j'y vais, deux secondes. Déjà, pour l'Alliance. Alors ensuite, je veux... Polyvalence, son temps de recharge est de 60 secondes supplémentaires. Bam! Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 42, tout ça j'ai pas accès, voilà, comme ça c'est vite vu. Sigil, on s'en fout. Fureur, on s'en fout. Les soins reçus, on s'en fout. Plus cinglante, c'est très fort. On s'en fout. Moi je vais prendre plus cinglante. Hein. Donc ça en fait, je m'envole comme une hirondelle. Genre je fais wouhou et à partir de là je peux piou 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 spammer en gros. Donc c'est très cool, très puissant, extrêmement puissant même, ça fait des dégâts de ouf. Lance gangrénée, voilà, qui permet d'infliger des ennemis en contrebas. Très sympathique.
quand on est dans la merde. Bon après j'ai du PVP pur et dur, hein. Une sorte de PVP pur et dur. Ça c'est bon, on peut voler. Voilà. Nickel. Nick Hell. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, on va s'arrêter là donc pour cet épisode. Épisode que j'ai trouvé très cool. Pourquoi ça me met Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Des options suivies ont été simplifiées pour la plupart des contexte y prête. On s'en fout. Portrait de personnage, on s'en fout. Pourquoi t'es en train de me mettre tout le tuto là? Bon. On va faire genre j'ai rêvé. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire là actuellement? J'ai envie là, moi je vous le dis honnêtement, de me balader un peu partout et de récupérer tous les rares qui seraient disponibles dans toutes les zones, dans tous les trucs. Je sais pas si je fais ça en vidéo ou pas. Parce que ça risque d'être un peu redondant, long, chiant, tout ce que vous voulez. Après j'ai envie de dire, tout ce qu'on fait déjà c'est un peu redondant, long et chiant. Hein. Donc bof quoi. Hein? Ouais. Je vais voir si j'ai pas des coiffures disponibles différentes. Alors, coiffure. En fait, il faut un truc qui fasse très... Ça c'est pas mal ça, c'est mieux long je pense, non? On a quoi là? Chevelé? Voyons. Ouais, long, à quoi que. Tresse courte, non. Non plus, non, ça carrément pas. Hein. Carrément pas. Non, je vais le laisser comme ça, hein. Ça me semble être plutôt pas mal, hein. Pas Dorian. Ah, mieux. Ah ouais, pas mal. Je préfère comme ça. Ouais. Moustache élégante. Ça va de soi. Non, il rend mieux en blanc. Eh bien, vendu. Ah là, il est encore plus beau comme ça, notre personnage. Bonjour, madame. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Faites attention à vous et à votre entourage. Et on continuera soit Dracula, soit Succube. Comme d'habitude, je vous rappelle que voilà, on est sur Radio WoW. On fait de tout et de n'importe quoi sur World of Warcraft. Des bisous, à la prochaine. Ciao, ciao.